Tim, les frères et sœurs, Assalamu alaikum, j'espère que tout se passe bien dans cette période, cette chaleur qui fait péter un câble. Merci comme d'habitude à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui s'abonnent aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a un an, il y a 6 mois, peu importe. Merci à vous tous, paix sur vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, puisqu'il y en a très peu qui le font, donc merci à tous ceux qui le font en tout cas. Comme vous avez vu les vidéos d'avant, merci à Esca, regardez là, hein? Il a reçu aujourd'hui des scouts, j'ai fait une vidéo spéciale normale, je lui donne la force à Isco. Allez sur sa chaîne, dites-lui big up, paix sur lui, donnez-lui la force, partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez bien le rap français, franchement abonnez-vous au frérot Isco. Signature dédicace, deux photos, deux CD, ça fait plaisir quoi. Lui au moins il est vrai, il est authentique. Dans tout le rap français, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans qui sourit, quoi. Ça arrive pas tous les jours, donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, il se retrouve sur le son de l'avant. Donc let's go. Yeah. Franchement, c'est un vrai lui. Lui il est vrai, c'est un vrai Khajel. Moi j'ai plus de voix, ça y est, là, je suis rassis. Tu sais, moi j'ai commencé par un soir un coup de tête. Je racontais ma vie dans les notes de mon fantôme. Tout ce que j'ai pu vivre dans le square ou en bas de la tour. Je passais toutes les frontières, être connu partout. Premier de ma classe, donc ma mère était fière de moi. Il restait plus qu'à changer mon comportement. Car j'étais violent, je me battais tout le temps. J'allais casser mon tête même s'ils étaient plus grands. Non, faut pas que tu t'inquiètes, maman. Ça me réunit pour toutes mes conneries. Toi, tu pensais parler dans le vent. Je montais sur tes plans avec. Ça change, hein, des sons fracassants qui fracassent le beat militaire explosif. Là. Il y a un côté posé, émotionnel qui te ferait couler des larmes. Là. Ça change, ça fait du bien. Hein. Il y a fait 3-4 sons comme ça, des sons posés. Sur l'album, franchement, c'est lourd dingue. Franchement, j'aime bien. Et c'est le truc qui est marrant, c'est les gens, comment ils fonctionnent. Ce son-là, il a fait que 56 000 vues. Donc, on va regarder sur ma propre réaction sur ce son-là. On verra combien de vues il y aura. C'est un délire. Hein. C'est malheureux. Les gens, ils suivent. En fait, les gens, c'est trop. J'aime pas dire ça, ils sont trop des moutons. Ils vont regarder par rapport aux vues. Tiens, je vais l'écouter ce son-là, ou je ne vais pas l'écouter, ou je sais pas, où ils mettent des pouces ou pas. C'est un délire, frère. Moi, quand je vais voir un artiste que j'apprécie, franchement, normal, je mets un pouce, c'est automatique. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est logique. Pourquoi je ne donne pas de soutien à une personne que j'apprécie? Je veux qu'il continue à faire de la musique, non? Le but, c'est pas de le faire régressir. Bref. Avec une horda ou un gros fer. Je suis au studio mais j'ai pas la conscience tranquille. Et là ils ont claqué mon frère. La rue a offert un bracelet. Et des nuits à l'hôtel de police. Et tout ça j'aimerais bien l'effacer. Mais la vie est cruelle, elle est remplie de vice. Tu sais moi j'ai commencé par asseoir un coup de tête. Je racontais ma vie dans les notes de mon fantôme. Tout ce que j'ai pu vivre dans le soir en bas de la tour. Je passais toutes les frontières, être connu partout. Premier de ma classe donc ma mère était fière de moi. C'est plus qu'à changer mon comportement. Car j'étais violent, je me battais tout le temps. J'avais qu'à faire mon tête même s'ils étaient plus grands. Oh mon frère, tu sais que dans ma vie ça va pas. Mais tranquille, c'est comme ça. Y'a des hauts et des bas. Mais moi à la zéro, donc j'ai fini solo. Et que ma famille et mes proches pour m'épauler. On voulait la vie de rêve, rouler en lambeau. On a fini dans le four toute la journée. Je me rappelle à l'époque du. Donner la force, là. Elle nous donne la force même sur ce son là, ça serait bien. 56 000 plus, c'est une blague. C'est excellent ce son là, il passe bien. Ouais. T'écoutes ça en voiture, vous pouvez aller dormir, c'est cool. Aujourd'hui, on traîne à moins qu'avant. Moins qu'avant. On va de l'avant, mais pour se laver, on vend des savons. Pour se laver, on qu'est-ce qu'il m'a dit? Dans le bâtiment. Sérieusement, là, dites-moi ce que vous en pensez de ce son posé. Mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces vers le haut. Faites montrer que vous êtes là, bon sang. Sérieusement, les 3-4 derniers jours, les vues, c'est MDR. Franchement, c'est blasant, quoi. J'ai l'impression de faire ça pour rien, en fait. Je sais pas, ils valident ou ils valident pas. Je suis pas là en train de gagner de la thune, moi, je gagne pas d'argent. Hein. MDR, il faut vraiment être bigleux pour pas le voir. J'ai 849 abonnés. Mais ça me fait rigoler, tu sais. Tous les jours, j'ai toujours des nouveaux abonnés. Ouais, j'étais content sur le coup, mais ils servent à rien. De la décoration. Il n'y a même pas 3 personnes qui me suivent actuellement, en vrai. De ma propre chaîne, il n'y a même pas 3 personnes qui me suivent régulièrement tous les jours. Après,
Je pense pour la manger, hein. S'il s'abonne, il y a une raison, bon sang. Pourquoi il s'abonne le mec s'il n'y a pas sur mes vidéos? Abonne-toi même pas, franchement, j'arrête pas de le dire, mais la vérité. Si t'aimes pas mon contenu, pourquoi tu t'abonnes? C'est quoi le but en fait? C'est pour me rendre fou? C'est quoi? Voilà. On dirait que je fais de la marche arrière. En fait, plus j'avance, plus j'ai des abonnés, mais plus ça régressit en vue. Ouais, vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi? Un kebab offert ou c'est comment? Vous croyez? C'est le monde à l'envers, en fait, voilà. La chaîne, elle va pas avancer comme ça, hein. Que même dans 2 mois, 3 mois, imaginons, j'ai 1000 abonnés, ça va rien changer, la vérité, ça va rien changer. C'est à quoi d'avoir plus d'abonnés s'il n'y a même pas de vues qui augmentent? Grosso modo, c'est dur à définir. Des fois, j'ai 20 vues, 30 vues sur une vidéo. Des fois, oh là, 70 vues. Le calcul est vite fait, quoi. Ouais. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez la motivation d'écrire un message alors que du matin au soir, la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone. Donc, MDR. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur des sons, des musiques tous les jours, sur des artistes, peu importe. Vous partagez des artistes qui ont des millions de vues, ça me fait rigoler. Vous avez le droit. Hein. Mais vous donnez pas la force à des gens qui galèrent. Bref, c'est. Je sais pas. J'avoue, je comprends pas, moi. Moi, si demain, si un jour j'ai un pistolet, il y en a qui me donnent la main, qui m'aident pour avancer, moi, je sais qui est. Je vais me rappeler d'où ça vient, tout ça. Moi, je suis pas un faucheton, moi. J'aime pas les gens qui nous prennent pour des billes. Moi, je suis pas une bille, moi. Bref. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à ceux qui commentent et qui partagent, bien sûr. C'est tellement rare. Et paix sur vous. Et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ciao.